Kadu fela gogo mi vo mi no mujo. Toi aussi ici. Je suis un connard. Il faut le reconnaître que là tu sors. Cache-toi. Ton masque. Porte ton masque. Tu es. Porte-le. Et prends soin de ta personne. Le wafa ma doué. Dans ta maison, porte-le. Le auto fa doué. À ton entreprise, porte-le. Le wachi ma doué. Dans ton marché, porte-le. Mon toto di doué. Et celui-là, dans la rue, porte-le. Le chafine le dos masque. Partout où tu te trouves, porte-le. Amana kona. Que cela te soit clair. Elle a ba covid le dio. Car covid te cherche. Et tu veux yagouo. Elle veut te tuer. Yachlo. Détruire. Yagble wa agbe doma. Anéantir ta vie. Nous voyons. Jaka fomao, jaji ka fomao. Fofoi, père, nous voyons à jaji. Mon âme se réjouira. À kafuo, te louera. À dos de ji, et te lèvera. À soubo, et te servira. À dakpenao, et te remerciera. Le gagnenyeta, pour ta grandeur. Le musabeto wota, pour toutes les actions de ta grandeur. L'enkakasiadji, en ce jour, domaodola ododa, qui envoie tes anges. Oyogbeto kolatata, et remplisse abondamment le temple. Maobeto ayeji, l'œuvre de Dieu continuera. Entra dans la maison de tes enfants. Partout se trouvent les enfants de Dieu. Aujourd'hui, le dessein de Dieu était accompli. Gloire, honneur sont à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Prenons à présent nos Bibles. Et mia troïde, Salomo tabla, et n'y va à Shekelia. Et retournons dans psaume 89. Salomo tabla, n'y va à Shekelia. Psaume 89. Et moudisiala. Et ce matin, mais le pique bla, et n'y va à Shekelia. Nous allons lire le verset 49. La parole déclare. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Écoute bien, mon frère, ma soeur. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Et qui puisse sauver son âme du séjour des morts. Quel est cet homme? Quelle est cette femme? Qui puisse vivre et ne pas mourir. Le dessein de l'Éternel. Si au dédé gocho. Qu'il a révélé depuis le début. Quand il a créé Adam et Ève. Et il les a placés dans le paradis. Le dessein de l'Éternel, c'est et que les hommes vivent d'éternité en éternité. Mais quand la chose est gâtée, Adam et Ève ont transgressé la loi de l'Éternel. Qui est cet homme? Qui est cette femme? Qui peut sauver son âme du séjour des morts? Quel est l'homme qui ne meurt pas? Quelle est la femme qui ne meurt pas? Mon frère, ma soeur, écoute sérieusement cette parole.
Et savoir que Dieu a quelque chose. Quiconque abandonne effectivement son âme, le, cette œuvre de l'Éternel continuera dans sa vie. La puissance de l'Éternel se manifestera dans sa vie. Et qu'il trouve ce qu'on appelle la vie éternelle. Mais si tu prends toutes choses à la légère et tu penses que tu puisses dominer le monde, alors tu demeureras dans l'enfer. L'éternité en éternité. Et pour cela, Dieu m'a envoyé pour te le dire aujourd'hui. Pour que tu donnes ton cœur entier à Jésus-Christ. Que tu te répandes complètement. Abandonne la vie du péché. Toutes les mauvaises conduites, abandonne-les. Nous en avons Dieu. Toutes les mauvaises actions, abandonne-les. Nous en avons besoin de chier. Abandonne toutes sortes de mal. Et confie-toi à la parole de Dieu. Et marche avec Jésus-Christ. Pour que Jésus te conduise jusqu'à la vie éternelle. Frères et sœurs, nous sommes attaqués. C'est pour cela que Jésus est venu dans ce monde. Il est venu nous faire une grande œuvre pour que les enfants de Dieu trouvent la vie, afin que les enfants de Dieu ne périssent point, afin que le dessein de Dieu s'accomplisse pour les enfants de Dieu. Il est temps maintenant. Abandonne toutes sortes de péchés et confie-toi à Jésus-Christ. Alors les œuvres de Jésus-Christ se manifesteront dans ta vie. Mets-toi debout. Ferme tes yeux et lève tes saintes mains. Et commence par le dire immédiatement. Tu connais mon frère, ma soeur. Tu connais qui tu es. Et femme comme homme. Tu connais comment tu es. Il est temps maintenant. Tu lui as l'Éternel. Je ne veux plus vivre de la sorte. Je ne veux plus vivre dans une mauvaise vie. Père, c'est pour cela que je t'invoque à ce temps. Oh Jésus-Christ. Seigneur, ne me rejette pas. C'est la foulée qui m'a placé sur ses voies. Et ma vie se détruit. Je le reconnais aujourd'hui. Et aujourd'hui, je me suis réveillé de ce mauvais sommeil. Et je me reprends. Et je le dis avec mon cœur en toi. Seigneur, je ne vivrai que pour toi seul. Je te donne mon cœur. Entre dans mon cœur. Fais de moi ton enfant effectif. Parce maintenant, que la chose change dans ma vie. Que le péché sorte de ma vie. Qu'est-ce que c'est que le péché? Qu'est-ce que le mal? Satan l'a envoyé pour détruire ma vie seulement. Et à partir d'aujourd'hui, je renonce à tout ça. Je l'ai détruit dans ma vie. Aujourd'hui, une nouvelle créature est entrée dans ma vie. Aujourd'hui, je me reprends. Seigneur, me voici. Déverse le sang sur moi. Que le Saint-Saint soit sur moi. Je me prépare complètement. Je lave complètement mon âme. Je lave mon corps.
Lave mon esprit. Pas d'aujourd'hui. Je deviens une nouvelle créature. Que la vie éternelle entre en moi. Père. Merci à toi. Me voici. Ne me rejette pas. Je me suis compris aujourd'hui maintenant. Ne continue pas le déclarer. Il est temps maintenant. Que la vraie repentance commence. Le dans ta vie. Et ne peux pas le lui dire. Bon, Satan. Satan. Il est menteur. Oh Satan. Oh Satan. Il est menteur. Nous fait tout le mal. Voleur. Tu es tueur. Je renonce à toi aujourd'hui. Aujourd'hui. Je me tiens debout de la parole de Dieu. Et je suis entré en Jésus. La vie de Jésus. Entré en moi. Je suis devenu une nouvelle créature. La puissance de Satan est détruite. Les esprits de l'abîme sont détruits. Le mensonge est détruit dans ma vie. Le vol est détruit. La terre est détruite. Nous bâclons des chiens de perversité. Est saccagé dans ma vie. Tu as perdu là. À partir d'aujourd'hui, je mènerai une nouvelle vie. Je marcherai dans la nouveauté. Le Jésus Christ dans le nom de Jésus Christ. Accompli dans ma vie. Père, merci à toi. C'est digne de gloire. Le Jésus Christ dans le nom de Jésus Christ. Dans ma vie. Manyeto layagbe kanka ome nyemawe womba manyeto wo demajiba manyeto layagbe kanka ome nyemawe womba manyeto wo nyemawe womko womko nyeyese womko womko nyemawe womko womko nyeyese womko aye demajiba manyeto wo lenyagbe kanka ome nyemawe womba manyeto wo aye nyamawe womko womko nyeyese womko aye nyamawe womko womko nyeyese womko aye demajiba manyeto wo lenyagbe kanka ome nyemawe womba manyeto wo yijina kafui continue pas le louer yijina dinaji pas les actes. Ma voix de Kamadango. Aucun Dieu n'est égal à lui. Aya de Kakwe. C'est lui seul. Bada Kabalo. Voilà, il ouvre ses bras. Aya Bagbamba, viens va. Mon fils, viens. Viens va. Mon enfant, viens. Ma Koragba. Et je te secours aujourd'hui. Viens maintenant à Kabé. Mon fils, je te donnerai la vie. Viens maintenant, Moussana Kadama. Mon enfant, je. Permettre à ce que la puissance entre en toi. Mon enfant, je permettrai à ce qu'une nouvelle chose se produise dans ta vie. Mon enfant, pas d'aujourd'hui. Je ne continuerai plus à commettre le péché. On t'a trouvé maintenant dans une nouvelle vie. Tu es mon enfant. Je me suis sacrifié pour toi. C'est accompli dans ta vie. Frère, ma soeur. La parole de l'Éternel se manifeste dans ta vie. La parole de Dieu agit dans ta vie aujourd'hui. L'Éternel des armées. Il a décidé, il ne chouera pas. Que ses enfants soient sauvés. Que toi si tu sois sauvé. Et que tu aies la vie. Et que la lumière brille dans ta vie.
les ténèbres fuient du complètement de toi. Aujourd'hui le jour. Aujourd'hui le moment. Merci à toi. Merci à toi. Père, nous te remercions. Nous te rendons toutes sortes d'actions de grâce. Nous t'élevons. Nous te rendons gloire. Au Père. Merci à toi. Parce qu'en ce jour, nous voyons qu'une nouvelle chose entre dans notre vie. Personne ne peut se sauver effectivement de la mort. Mais si Jésus entre en lui, la mort devient la vie. La perdition devient la vie éternelle. La malédiction devient la bénédiction. Le regressement devient l'avancement. Et la diminution devient la multiplication. Père, merci à toi. Merci à toi. Père, merci à toi. Parce que ta grandeur est entrée dans notre vie aujourd'hui. Gloire, honneur et élévation sont à toi. Aujourd'hui, c'est accompli. Le dessein de Dieu est accompli. Les œuvres de Dieu sont manifestes dans la vie de ses enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi. Amen. Praise the Lord. Amen. Diva. Chogotilame, Zakeo Diva, Chogotilame, Aho Diva, Chogotilame.
lame diva chogboti lame awo diva diva chogboti lame zakeo diva diva chogboti lame awo diva diva chogboti lame diva chogboti lame egbenye gbelo egbe yenye koko gbe awo echo magavao awo yesu legbona obe diva chogboti lame egbenye gbelo egbe egbe yenye koko gbe awo echo echo magavao oh yesu legbona obe diva chogboti lame. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nous nous préparons pour écouter la parole de Dieu. Ferme tes yeux, nous allons chanter ce cantique. Adongo nya kpe yeso miala se adongo I pray for life, one by my soul, I blood of ye. Nyak pe yesu, miyala si, adungwe. I pray for life, one by my soul, I blood of ye. Aho nyak pe yesu, miyala si, adungulo. I pray for life, one by my soul, I blood of ye. Nyak pe yesu, miyala si. Adungwe efo fula wan be my so I blood of ye ya pe yesu emi ara se adungulo fofey père agbela aujourd'hui mi ala se pleo nous te tiendrons la main a promi akede agbobolo la po et tu nous conduiras vers le pain de vie. Fofoy, père, miawe nyasia. Nous voici. Ko nyala de miafwechima. Introduis ta parole dans nos cœurs. L'enkekesia chila. Dans ce jour, bokokokwe. Saint-Esprit. Awotole echire shadema. Agira dans chaque cœur. Tu as pechila. À partir d'aujourd'hui, nobe. Les desseins de Dieu, que cela soit clair pour tous les enfants de Dieu. Fofoy, père, ta parole est accomplie pour nous. Le Yesu Christophe.com. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Matunyeko Nagakpejila. Makpochidi matinye nyakpeye so mianomela lejifo fiado ofelame matunyeko nagakpejilo matpochidi matinye nyakpeye so mianome lejifo fiado ofelame nejija nyemavo na homutu jika machofonyo matunyeko de aga akpela jilo nyakpeye so mianome Nechija nyema vo na homutu jika macho ponyo matunyeko de aga pelajilo nyakleye sumya anome ampala nyamiye
yami ye mami. Oh, ampala yami yo, ampala yami yo, ampala yami ye, yami ye mami yo. Nyate pe ma wunyolo, nyate pe ma wunyolo, nyate pe ma wunyo, ma wunyo namlo. Oh, nyate pe ma wunyolo, nyate pe ma wunyo, nyate pe ma wunyo, ma wunyo na milo. Praise the Lord. On entend le Christ ma. Bien aimé en Christ. Acte. Voilà. La vie amère. Bien-aimé. Le nyate femme là. En vérité. Mao le miak plom. Le temps de vie. Torque à deux. Dieu nous conduit dans certaines œuvres très spéciales. Et fait en sorte que nous connaissions ses desseins. Nous voyons que Dieu amène toutes choses à la fin. Personne ne peut arrêter l'Éternel. Ah, oh. Non. Pour cela, il a envoyé ses anges. Il leur a dit, parcourez le monde entier. Observez le genre humain. Tout ce que vous trouverez sont dans la douleur. Et qui gémissent. La vie femme. Et qui pleurent. À cause des mauvais événements qui se passent dans le monde, marquez-les d'un signe pour moi. Il leur a dit, prenez avec vous ma coupe de colère. Faites-la boire à tout le monde. Après l'avoir bu, ils s'enivreront. Ils marcheront attitudement. En ayant de mauvaises pensées. En posant de mauvais pas. En s'énervant. En tenant de mauvais propos. Alors, quand viendra la ruine, cela s'abattra sur eux. Mais ce que vous aurez marqué, c'est un signe. Waoula. Eux, nuit là, quand ils auront bu, la ils seront lucides. Ils auront de bonnes pensées. Ils poseront de bons pas. Ils se multiplieront. Et c'est l'argent. Frères et sœurs, je vous demande, de quel côté te trouves-tu concernant cette parole? Mon frère, ma sœur, la coupe est déjà venue chez toi, tu l'as déjà bu. Mon frère, ma soeur, je te supplie, écoute bien cette parole. Quel pas poses-tu? Comment vis-tu? C'est cela qui te démontrera le côté que tu te trouves. Il n'y aura pas d'exception de personne. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, ce qui arriva au temps de Noé précédemment, le déluge, c'est ce qui arrivera à notre temps aussi. Et il a continué par dire, ce qui arriva au temps de Lot à Sodome et Gomorrhe, c'est ce qui arrivera aussi à notre temps. Et nous voyons toutes choses. Toutes ces choses s'accomplissent.
Quel est le pays qui est dans le monde actuellement? Et que les hommes ne se marient pas entre eux. Et que les femmes aussi ne se marient pas entre elles. Quel est ce pays? Tous les pays. Les femmes. Et ôtent leur sexe féminin. Et prennent le sexe masculin. Et les hommes aussi ôtent leur sexe masculin et prennent le sexe féminin. Frères et sœurs, quelque chose se passe. La ruine vient bientôt. Prépare-toi. Je t'ai placé à un niveau donné. Et nous voyons certaines choses très importantes. Le bâton est là. Premièrement, Jésus-Christ nous a dit, dans Luc chapitre 16, le 19e verset, le 9e verset, et il a dit, moi je te le dis, et faites-vous des amis avec les choses viles de ce monde. Quand ils passeront, que vous soyez reçus dans les tabernacles éternels. Mon frère, ma soeur, c'est là où nous sommes entrés, touchons l'homme et la femme. Et la femme et l'homme au foyer. Frères et sœurs, et nous avons vu une parole très importante. Matthieu chapitre 13. Du 1er jusqu'au 9e verset. Et nous avons vu certaines quatre choses importantes. Nous avons vu le sol le long du chemin. Et qui est la femme le long du chemin. Et qui est l'homme le long du chemin. Nous avons vu aussi le sol pierreux. Et qui est l'homme et qui est le sol pierreux. Et la femme qui est le sol pierreux. Et nous avons vu aussi le sol qui est recouvert d'épines. Et qui est la femme qui est le sol épineux. Et un homme qui est le sol épineux. Quatrième chose. Nous avons vu la bonne terre. Seigneur. Qui est. Qui est. La femme qui est une bonne terre. Et que l'homme qui est une bonne terre aussi. Allô? Ou bien. Ou bien une bonne terre qui constitue la femme. Oui, et une bonne terre qui constitue l'homme. Hey! Mon frère, ma soeur. Je te supplie. Ces paroles sont sorties de la bouche du Seigneur Jésus. Mais il a dit en parabole. C'est en cela que nous avons avancé un peu. Nous avons vu Matthieu chapitre 27. À partir du verset 27. Frères et sœurs, nous allons lire cela. Elle l'a. Car c'est une parole très importante que nous avons vue. Nous si Anna a mesiam n'a qu'un coup de tête. Ce qui fera que tout le monde sera ébahi. Elle l'a. Car Yehuwa sebaut. L'Éternel des armées. Me Adam plaît Eva. Il a créé Adam et Ève. Depuis ce début-là, le mariage a commencé. Et Dieu les a placés dans le paradis.
C'est là où le mariage a commencé. Et comment penses-tu que le mariage sera à ce moment-là? Dans ce jardin d'Éden. Le paradis soit. Dans ce paradis. Ce n'est pas une petite affaire. Va quoi? Tu dois te faire. Viens voir la joie. Nous sommes au dos là. L'Éternel est en train de manifester ce qu'il a planifié. Pour créer l'homme à son image à lui. Il leur a dit, multipliez-vous, élargissez-vous, et dominez toute la terre. Hey! Non, vieux. Frères et sœurs, viens voir comment l'Éternel se réjouit. L'Éternel se réjouit. Mais nous avons vu que toutes choses étaient à la disposition des hommes. Les arbres fructueux. Et là aussi, nous avons vu l'arbre de vie. Et l'arbre de connaissance est du mal et du bien. Et c'est trop souvent na Adam et Eve. Ce qui est devenu maintenant une épreuve pour Adam et Ève. Et nos vieux. Et frères et sœurs. Nous avons vu que Adam et Ève n'ont pas réussi. Et yata. Pour cela. Et si Oudou. Comme ils ont mangé le fruit de cet arbre qui donne la connaissance du mal et du bien, immédiatement, ils ont amené la mort dans le monde. Et les épines et les ronces se sont ajoutées. Entrer dans la vie de tout le monde. Nous aussi, ce qui est le devoir de tout le monde que côté femme comme homme de faire un travail très sérieux concernant ces épines. Non, vieux. Frères et sœurs, afin de pouvoir changer quelque chose qui est négatif en quelque chose qui devient maintenant ce qui est négatif en positif. Mais celui qui n'a pas pu le faire, alors la vie éternelle dont l'Éternel a promis n'entrera pas dans sa vie. Alors il souffrira dans l'enfer et ceci pour toujours. Ce sont des paroles très importantes. Et nous avons vu que l'Éternel de Adam Plevato le Eden Bolam a fait sortir Adam et Ève du jardin d'Éden. Et les a placés dans le monde de la malédiction. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans un certain moment donné. La grâce de Dieu, c'est ce qui a fait que Jésus-Christ est venu. Et il s'est sacrifié pour nous. Écoute bien, mon frère, ma soeur. Afin que quiconque accepte, il ne forcera personne. Quiconque accepte et s'abandonne, alors toutes ces malédictions deviendront une bénédiction pour lui. Oui. Mais celui qui n'accepte pas sera détruit. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Entrons maintenant dans Matthieu chapitre 27. Et nous allons continuer. À partir du 27e verset.
Maman fia, la fe, à sa foi, tu es et au pleide, fondrofe. Et à sa foi, à blibola, kata, foufoude, enti. Matthieu chapitre 27, le 27e verset dit: les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Terrible à voir, Nélia. Aïe, ou de Aou, le Aouti, aïe, ou tcho, Aouji, Vlaya, redonné. Le 28e verset. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau éclatant. Ce jour-là, nous si Yasunia, ce que Jésus était, va créer à moi. Ce que Jésus est venu dans ce monde. On l'a ôté de lui. Parce qu'il a accepté se sacrifier. La façon dont l'Éternel a créé Adam dès le début. On lui a ôté cela. Et le couvrir de manteau écarlate. 29e verset. Et ils tressèrent une couronne d'épines et qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillèrent en disant: salut, roi des Juifs. Yes, après avoir ôté ses vêtements et lui couvrir d'un manteau écarlate, il tressait une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête. Ce jour-là, quand Adam et Ève, ils ont mangé de ce fruit, l'Éternel a dit: la terre soit maudite à votre place. Les ronces et les épines pousseront pour vous. Et avec ses épines, il tressèrent une couronne et il posait cela sur sa tête, la tête de Jésus. Et ils lui donnèrent entre ses mains un roseau. Et s'agenouillèrent et se raillèrent de lui. Salut, roi des Juifs. Jésus n'a pas branché. Le 30e verset. Le 30e verset dit: et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Il crachait contre Jésus. Il démontre que comme l'homme a mangé ce fruit là ce jour, c'est pourquoi l'Éternel a prédestiné, il n'est plus cette chose. Il crachait contre lui. Jésus vient maintenant porter notre vie. Et on retirait son roseau et lui frappe sur la tête, là où ils ont placé la couronne d'épines, ce qui démontre que l'épine d'éternité en éternité piquera tout le monde. Après, nous reviendrons là-dessus. Mon frère, ma soeur,
Ce qui se passe, ce n'est pas une petite affaire. Les épines et les ronces. Mais Jésus-Christ, il est venu porter cela pour nous. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements. Et l'amenèrent pour le crucifier. Frères et sœurs, après s'être moqué de lui, il lui ôtait encore le manteau écarlate et lui remit encore ses vêtements et l'amenait pour le crucifier. Ce qui veut dire que le jour où tu te donnes à Jésus et que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ a dit, j'ai pris ta place, je te sauve du péché. Tu n'es plus Adam qui est tombé dans le péché. Que bon. Mais plutôt, je suis Adam, tu deviens maintenant l'enfant du deuxième Adam. Viens entrer maintenant dans le repos de l'Éternel. Immédiatement, il lui remit encore ses vêtements. Hey. Mon frère, ma soeur, ne crains pas, nous reviendrons sur ces choses-là un à un. N'allons pas nous presser. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de choses à voir en tout cela. C'est ici que nous avons quitté. Et il y a une idée. Et nous sommes partis vers quelque chose de très important. Et il et Dieu est en train de nous révéler certaines choses très importantes. Le livre de Josué, chapitre 2. Nous allons retourner là-bas. C'est là où nous sommes arrêtés. Frères et sœurs, toutes ces paroles sont très importantes. Pour cela, prends soin de cela. Si aujourd'hui le monde prenait fin, où iras-tu? Écoute bien. Josué, comme tu le connais, celui qui a remplacé Moïse après la mort de Moïse. Et l'Éternel lui a montré comment travailler. Écoute bien. L'Éternel a fait sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Il les conduisait vers la terre cananéenne. Écoute bien. J'ai laissé pour le moment quelque chose. Mais afin que quelque chose te soit clair. Frères et sœurs, ce qui est très important est que nous voyons dans tout ceci. Écoute-moi bien, mon frère, ma sœur.
Ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à discerner. Les oiseaux de proie. Esaü. Esaü. Le Jacob. Et Jacob. Du quoi frère? Les deux nations. Frères et sœurs. Ce n'est pas une petite affaire. Abraham. Abraham. L'Éternel lui a dit. Je te donnerai en héritage cette terre cananéenne. Et il a dit à l'Éternel. Comment ferai-je? En quoi est-ce que je reconnaîtrai? Que j'hériterai de cette terre. L'Éternel dit, c'est bon. Prends une génisse de 3 ans. Bonon, une chèvre de 3 ans. Agbou, un bélier de 3 ans. Ce qui représente les 3 générations. Sem. Sem. Ham. Cham. Yafet. Et Japhet. Et Abraham. Et Abraham. Kouvé. Les a amenés. Et il les a mis en. A coupé en deux. Et les a placés devant l'Éternel. Immédiatement, les oiseaux de proie sont venus s'abattre sur les victimes. L'Éternel les voyait tous ainsi. Mais il n'a pas branché. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie. Ta vie, Dieu te l'a déjà donnée. Si tu n'y travailles pas, le bouc s'en est. Tu vas la perdre bientôt. Écoute bien. Abraham, Abraham s'est levé. Et il a avancé sur les oiseaux de proie. Il les a chassés. L'Éternel n'a pas branché. Hey. Frères et sœurs. C'est là. Nous voyons que. Les oiseaux de proie. Font partie de l'alliance de Dieu. L'alliance que l'Éternel a fait avec Abraham. Les oiseaux de proie, ils font partie. Quiconque ne marche pas selon la loi de Dieu, la promesse que Dieu a faite d'avance, les oiseaux de proie viendront et l'emporteront. Mon frère, ma soeur, il va te réveiller chaque mois, tu vas crier. L'Éternel, où est-ce que tu es? Pourquoi est-ce que je souffre ainsi? Il ne prendra pas cela en compte pour toi. Écoute bien et comprends. Et que ces choses te soient claires. Prends soin de ta vie. C'est pour cela. Ça, je dis, si tu mets ta main dans le feu, et le feu te brûlera. Et cette blessure et cette douleur continueront jusqu'à ce que la plaie ne soit cicatrisée. Et nous avons vu que cette loi agit dans les contrées de notre cerveau. Frères et sœurs, et nous voyons certaines 6 choses. Pour le moment, nous n'avons que touché 2. Premièrement, la haine. La deuxième chose, la colère de l'imitation.
Frères et sœurs, voilà ces choses que nous voyons. Ne voyons pas de simples choses. Ce n'est pas une petite chose. Et nous sommes en train de mettre les choses une à une avec tout ce que nous avons vu. Frères et sœurs, la Bible nous dit Yoshua, Josué, Yoshua non Moïse muti. Josué était avec Moïse. Ne Israëlio, si les enfants d'Israël, le passa Odu, s'ils continuent par faire leur fête, le Yisimeke, Maouyo Moïse. Au moment où Dieu a appelé Moïse, Moïse est parti vers l'Éternel sur la montagne. Il était avec l'Éternel 40 jours, 40 nuits. Il n'a pas mangé. Il n'a pas bu. Il n'a pas dormi non plus. Je t'en supplie, écoute bien. Josué ne pourrait pas aller avec Moïse. Mais il suivait Moïse. Et s'arrêtait en chemin. Et restait à cet endroit. Dieu sait qu'il est là-bas. Mais nous aussi, ce que l'Éternel est en train de faire pour Moïse, Josué ne le voyait pas. Les enfants d'Israël ont refusé d'obéir. Aaron, et ils ont fait à ce que Aaron leur fabrique un veau, une statue de veau pour servir de vaudou pour eux. En tout ce moment, Moïse était avec l'Éternel sur la montagne. L'Éternel s'est irrité. Il dit à Moïse d'aller voir ce que font les enfants d'Israël. En descendant, il a vu Josué. Josué lui a dit, ils sont en train de diriger un vaudou. Frère, ce qui s'est passé, ce n'est pas une petite affaire. On ne va pas perdre le temps sur ceci aujourd'hui. Josué, il connaissait bien les enfants d'Israël. Je t'en supplie, écoute bien. Nous sommes en train de voir quelque chose de très important. Maintenant, Moïse n'est plus. C'est Josué. Moïse avait envoyé les gens auparavant. Non, bien, tant que et pour aller espionner la terre de Canaan. Et voilà la terre qui constitue l'héritage d'Abraham. Mais qu'est-ce qui est sorti de là? 12 personnes. Que Moïse a envoyé. Dix sont revenus. En disant que la terre est bonne. Mais nous ne pouvons pas aller sur cette terre. Il y a les géants qui se trouvent. Ce que l'Éternel a dit, frères et sœurs. L'Éternel a révélé. Voilà ce que dit les enfants d'Israël. Qu'ils ne pourront pas aller. Josué, le Caleb, et Caleb, oh, ce sont eux qui sont levés. Ils font partie des 12 espions et il y avait que Caleb et Josué qui étaient à part. Ajouté aux 10, ils faisaient 12.
Josué et Caleb sont levés et disent non. Même si les géants occupent la terre, ils sont comme le pain, ils vont manger. Parce que eux, ils sont l'Éternel des armées. L'Éternel, c'est lui qui les a amenés ici. Et ils iront sur cette terre. Et nous marquons les enfants d'Israël se sont levés. Et ce jour-là, ils voulaient lapider et Josué et Caleb. Et immédiatement, l'Éternel est descendu du ciel sur la terre. Frères et sœurs, ce n'est pas une petite chose. Ils ont bloqué. Il a bloqué les pierres ce jour-là, sinon il devait tuer Josué et Caleb. L'Éternel a dit, tous ceux qui sont vivants, ils ne fouleront pas le pied et la terre de Canaan. Alors Moïse les a reconduits dans le désert. 40 ans. Tous doivent mourir. Seulement que Josué et Caleb devaient rester. Et les enfants des enfants d'Israël. Pour aller sur la terre. Frères et sœurs, nous observons une à une les choses. Écoute bien. Maintenant, ce Josué, il a envoyé deux personnes. Et avant de les envoyer, il avait vraiment réfléchi. Parce que Jésus était parmi ceux qu'on avait envoyés premièrement. Ce jour-là, Moïse n'avait pas envoyé seulement que des simples hommes. C'était des hommes importants. Les gens vaillants. Les gens vraiment avancés. Ce sont eux qu'on a envoyés. Mais comment ils ont vécu? Mon frère, ma soeur, tu es dans l'église aujourd'hui. Comment vis-tu? Quels sont les pas que tu poses? Quels sont les endroits que tu fréquentes? Que fais-tu? Frères et sœurs, ce qui s'est passé n'était pas des moindres. Dieu a aidé Josué. Il a bien réfléchi. Il a choisi deux personnes. Il les a envoyés secrètement. Il l'a dit à personne. Jamais. L'Éternel le savait. Il les a envoyés d'aller espionner sur la terre de Canaan. Et ce que nous avons vu le dimanche passé. Bien aimé. Je vous en supplie. Écoute sérieusement les paroles. Et ils sont partis prendre hôte dans la maison d'une prostituée appelée Rahab. Frères et sœurs, écoute bien. La promesse que l'Éternel a faite à Abraham, la terre qui lui a dit qu'il héritera de cela. Et Abraham lui a demandé en quoi est-ce que je reconnaîtrai cela. Et lui a dit d'amener une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans et un bélier de 3 ans. Frères et sœurs. Voilà ces choses qui se passent ainsi, oui.
Parce que l'Éternel, c'est un Dieu puissant. Mais il faut tout faire pour connaître toutes les œuvres de l'Éternel. Les voies sur lesquelles l'Éternel opère. Les pas que l'Éternel pose. Il faut connaître ces pas-là. Frères et sœurs, les oiseaux de proie sont venus pour prendre les victimes. Toi et moi, nous étions là-bas. Parce que nous sommes dans cette génération-là. Cela nous concerne. Écoute bien. Et maintenant, Josué, il a envoyé deux jeunes hommes. Et ces jeunes hommes sont partis. Frères et sœurs, effectivement, si Dieu te conduit, c'est une grande affaire. C'est une grande chose. Ces deux jeunes hommes, ils sont entrés sur la terre cananéenne. Ils sont entrés dans la chambre de Rahab, la prostituée. Les gens les ont vus. Ils sont partis rendre compte au roi. Immédiatement, le roi a envoyé les gens. Il dira Rahab. Les enfants d'Israël ont envoyé des espions pour espionner le pays. Et je sais que ces gens-là sont rentrés dans ta maison. Fais les sorties pour moi immédiatement. Parce qu'ils sont venus espionner le pays. Rahab a dit, c'est vrai. Ils sont effectivement venus. Mais ce qu'ils sont venus faire après l'avoir fait, ils sont sortis. Je ne sais pas d'où ils viennent. Et ils ont fermé la porte. Oui. Frères et sœurs, l'Éternel est grand. Mais de coucou. Je t'en supplie. Vois-tu par quelle voie l'Éternel opère cette grande promesse qu'il a faite avant, et puis vois-tu comment est-ce qu'il est en train d'opérer cela? Ce n'est pas une petite chose. L'Éternel est désarmé. Qui est l'homme, le genre humain? Si l'Éternel entra sur cette terre, qui est ce roi-là? L'Éternel va souffler seulement. Et le vent va les emporter. Israël. Il a dit Israël. Il a possédé la terre. Mais il n'a pas fait ainsi. Frères et sœurs, nous écoutons toutes ces paroles. Afin de pouvoir savoir comment mettre en pratique les paroles de Dieu. Arrêtez de s'enorgueillir pour dire que je suis moi. Arrête de te comporter. Qui es-tu? Tu n'es rien du tout. Frères et sœurs, nous avons lu quelque chose dimanche. Jésus, chapitre 2, à partir du 8e verset, qui a dit, avant que les espions se couchassent, Rab monta vers eux sur le toit. Parce que le roi a déjà envoyé les gens vers la femme. La femme aussi a déjà envoyé la réponse au roi. Mais la femme sait que ce qu'elle a envoyé au roi, ce n'est pas ça la vérité. Elle a placé les hommes sur le toit de sa maison. Et il a versé le coton sur eux. Mon frère, ma soeur,
Je veux que tu examines bien ces paroles. Parce que l'homme a de l'argent. La personne a une grande maison. La personne a une grande voiture. La personne est large. C'est pour cela qu'il dit, oh, je suis l'homme de Dieu éternel désarmé. Zéro. Ça c'est zéro. Ah. Non. Non vieux. Frères et sœurs. C'est pas en cela que se trouve la véritable chose. En quoi est-ce que cela se trouve la véritable chose? L'application de la parole de l'Éternel. Rahab, la prostituée. Nous l'avons déjà vu dimanche. La prostituée n'est rien du tout. Ok. Le 9e verset. Le 9e verset dit, et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Rahab a ouvert sa bouche. Dit, je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. Bolo, bolo, non vieux, bolo. La prostituée, frères et sœurs. Bolo. La prostituée. Les grands hommes d'Israël. Les hommes vaillants. Ils disent devant Moïse et l'Éternel. La terre cananéenne est bonne. La terre est vraiment forte. Mais les géants l'occupent. Ils ne pourront pas aller sur la terre. Quoi? Tu dis quoi? Un véritable enfant de l'Éternel. Ce sont eux qui disent. Ils ne pourront pas aller sur cette terre. Mais regarde. Une prostituée, la prostituée. La voilà qui dit. Je sais que l'Éternel des armées vous a déjà donné ce pays. Je veux que chacun entre dans son cœur. Pas de crier dans l'église que quoi, non, c'est pas ça l'affaire. L'affaire ne se trouve pas là-bas. Est-ce que tu as effectivement donné ton cœur à Dieu? Ou bien tu es en train de mentir? Tu as autre chose dans ton cœur. Tu veux que les gens te trouvent seulement que c'est toi qui es toi. Nous sommes arrivés à un certain seuil. Sais-tu que cette parole que Rahab a en train de dire, Rahab la prostituée est en train de dire, et ce que les chefs d'Israël ont dit, qui a fait que l'Éternel a dit que tout cela ne flouera pas la terre de Canaan? Ils ne flouront pas la terre de Canaan. Moïse retourne les enfants dans le désert. Vous demeurez dans le désert 40 ans. Tous doivent mourir. Mon frère, ma soeur, cette parole-là a tué les enfants d'Israël. Frères et sœurs, pourquoi? Et ils ont été pris par les oiseaux de proie. Écoute bien, mon frère, ma soeur, écoute bien. Ils ont été pris par les oiseaux de proie.
La promesse que l'Éternel a faite à Abraham et les oiseaux de proie font partie. Et si tu transgresses cela, les oiseaux de proie détruiront ta vie. Tu ne sauras jamais. Éternel, il ne s'amuse pas. Jamais. Et la prostituée, frères et sœurs, une prostituée a ouvert sa bouche, elle a dit, je sais que l'Éternel vous donnera ce pays. Que penses-tu que l'Éternel pensera ce jour-là? Il va secouer sa tête. L'Éternel n'est jamais venu chez cette prostituée. Aori. Jamais. Aucun évangéliste ou bien personne n'a prêché de la parole de Dieu. Nous sommes arrivés à un certain niveau, frères et sœurs. Je suis un prophète. Mais là, allez. Je suis ainsi et ainsi. Si tu mens, et cela vient sur ta propre tête. Ce n'est pas une petite chose. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à un niveau donné. La parole du royaume et l'affaire du royaume n'appartient à personne, à aucun humain. C'est à l'Éternel. L'affaire de la terre cananéenne, c'est à l'Éternel. Alors celui qui ira là-bas, l'Éternel a déjà écrit les préceptes. Il ne change pas cela. Le royaume du ciel, ceux qui iront, l'Éternel a écrit cela. Il a déjà écrit les lois. Il ne change pas cela. Si tu transgresses cela, les oiseaux de proie vont venir te prendre. Ils t'emporteront. Ils vont détruire ta vie. Ils l'ont fait aux enfants d'Israël. Que dis-tu? Les enfants d'Israël, il a fait à eux. Frères et sœurs, le deuxième verset maintenant. Le dixième verset dit, car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Praise the Lord. Alléluia. Cette parole est dit. Où c'est la Nigbokatanji? Elle retentit sur toutes les terres. Elle l'a bena. Car, et si Maoklo, Israël, tout Égypte, Nigbadia, Yumiakatajom. Mais quand l'Éternel a fait sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte, que tout ceci se passe. Mouyajom, les Israël, Katabankoum. Ceci se passe devant tous les enfants d'Israël. Gakanyaya, peu de cœur. Mais aucune de ces paroles n'est entrée dans leur cœur. Cela n'a pas agi sur eux. Mais cette parole, cette affaire est venue maintenant agir dans le cœur de Rahab, la prostituée. Eh bien, merci là. Que nous l'avons entendu. Merci. Nous l'avons entendu. Toutes les paroles de Dieu qu'on te dit dans l'église. Les enfants de nouveau. Tout ce que tu entends dans ce temple. Que fais-tu de cela? Tu l'entends simplement l'air. D'autres personnes vont entendre cette parole et la mettre en pratique. Penses-tu que l'Éternel t'aimera plus que cela? Non. Écoute bien. Que cela pénètre ton cœur. Ce qu'ils ont entendu ce jour-là,
Voilà ce que Rahab a pris en compte. Le 11e verset. Le 11e verset. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Frères et sœurs, regarde cette parole. Regarde ce que dit Rahab. Ce que l'Éternel a opéré parmi les enfants d'Israël. Tout ce que l'Éternel te dit dans l'église. Les gens vont l'entendre dehors. Ceux qui l'ont entendu dehors. Et ça les a, ils ont eu peur de cela. Et pourquoi? L'Éternel est vraiment grand. Mais toi-même, que dis-tu de l'Éternel? Qu'est-ce que les enfants d'Israël disent de l'Éternel? Mais regarde ce que Rahab dit concernant l'Éternel des armées. L'Éternel, votre Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu. Dans les cieux. Et sur la terre. Novio. Frères et sœurs. Ce n'est pas une petite affaire. Si quelqu'un loue l'Éternel ainsi. Crois-tu que Rahab est en train de mentir? Non. Rahab est une prostituée, oui. Quelqu'un qui fait du mal. Toutes choses de perversité. Mais ce jour-là, quelque chose est entré dans Rahab. Rahab est en train de dire, l'Éternel le ciel. Il est par terre aussi ici. Le Dieu Tout-Puissant. Elle est vraiment. Elle est en train de confesser Lebanon. Avec sa bouche. Mais que confesses-tu, toi? Comment vis-tu? Comment poses-tu tes pas? L'Éternel est en train de voir comment va vivre Rahab. Rahab. Alors, Nicodé. Elle a mis le coton sur les jeunes hommes. Elle les a couverts. Le coton les a couverts complètement. L'Éternel a vu. L'Éternel regardait tranquillement. L'Éternel le regardait tranquillement. Mais le wonder font Elle ne le faisait pas pour le mal, non. Elle les protégeait contre les envoyés du roi. Elle a déjà envoyé le message au roi. Et ils ont cru à son message. Et maintenant, Rahab vient faire ses actions maintenant. Votre Dieu, il est grand. Votre Dieu, il est immense. Le Dieu de nouvelle vie, il est grand. Il est immense. Les fidèles de nouvelle vie. Est-ce qu'ils croient ainsi à leur Dieu? Est-ce qu'ils mettent en pratique sa parole? Ou bien c'est d'autres personnes qui mettent cette parole-là en pratique? Viens, nous allons continuer.
Le 12e verset dit: Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Oui, l'Éternel va le faire certainement. Rahab. Elle est en train de déclarer les véritables choses de son cœur. Qu'elle me fasse grâce. Votre Dieu est puissant. Et qu'il me fasse grâce aussi. Qu'il fasse grâce à toute ma famille. Le 13e verset. Le 13e verset dit: Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Est-ce vrai? Vois-tu cela? Dieu, l'alliance que l'Éternel a fait avec Abraham ce jour-là, regarde ce qui entre dans l'alliance. Mon frère, ma soeur, pourquoi est-ce que les oiseaux de proie n'ont pas rencontré Rahab? Non. Ils ne pouvaient pas la toucher. Car elle est en train de révéler le dessein de Dieu. Dieu nous a fait grâce. Et Dieu, je t'en prie, fais-nous grâce. Est-ce en ce moment-là, les oiseaux de proie n'existaient pas? Ils existaient, oui. Il regardait simplement. Quiconque révèle le dessein de l'Éternel, le dessein est arrêter les oiseaux de proie. Il n'arrive plus à s'envoler. Il n'arrive plus à descendre non plus. Non. Voilà ce qui se passe dans la vie de Rahab. C'est vrai, oui. Un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui nami homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme. Le 14e verset. Ces hommes lui répondirent: Nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Aujourd'hui, nous te le disons. Oui. Et si l'Éternel nous donne cette terre, et que nous n'appliquons pas ce que nous avions dit, alors nous mourrons à votre place. Pourquoi? Les oiseaux de proie viendront les prendre. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur, que ceci te soit clair. Ils seront pris par les oiseaux de proie. Le dessein de l'Éternel. Le jour où l'Éternel faisait l'alliance avec Abraham, est-ce que Rahab était là ce jour-là? Elle n'était pas encore née. Non. Frères et sœurs, je t'en supplie. Voilà Rahab. Qui vient entrer maintenant dans l'alliance de l'Éternel avec Abraham. Ce n'est pas une petite chose qui se passe. Pour cela,
15e verset. To attaque Didio to apoko si le doivo glimula va flesser nous de ani el abena afa afela le egliaji. Le 15e verset dit: elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. La maison de Rahab était sur la muraille de la ville. Le jour où Rahab a acheté cette terre, ce terrain, il ne savait pas ce que l'Éternel était en train de faire. Partout où tu te trouves, dans n'importe quelle ville ou pays tu te trouves, l'Éternel t'a placé dans un plan spécial là-bas. L'Éternel est en train de faire quelque chose dans ta vie. Mais et tu ne t'inquiètes pas de cet endroit. Tu sais pas que c'est un dessin particulier. Faut pas seulement que l'endroit soit vraiment immense. Hôtel de février, comme l'hôtel de février qui est le problème. Ah, oui. Non. Vieux, frères et sœurs, tu es en train de faire quelque chose dans ta vie. Que cela te soit bien clair. Pour cela, la Bible a dit. Elle les a fait descendre par une corde. La chose se passe dans la nuit profonde. Les victimes. Dans les ténèbres. Elle les a fait descendre par terre. Après les avoir descendus. Elle a dit quelque chose. Frères et sœurs. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Écoute ce qu'elle a dit. Le 16e verset. Rahab, c'est Rahab qui a tenu ce propos. Le 16e verset. Elle leur dit: allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ma biosolo. Que je te demande. Le que Rachel enfume à bas que scientifique gagne ou rien. Comment est-ce que Rara parle comme elle est une grande scientifique? Allô. Ou? N'agbodi la gagne ou rien. Une grande prophétesse. Ah. Non. Non vieux. Frères et sœurs. Écoute-moi bien, tu vas comprendre quelque chose. Ah mais ok, Joshua. Ce que Jésus a envoyé dans le pays. Quel type d'hommes ils sont ceux-là? Qu'est-ce que Jésus a pensé de ces hommes avant de les envoyer? Et ce sont des hommes qui obéissent à l'Éternel. Parce que la vie de Josué, il a vraiment vécu dans l'obéissance à l'Éternel. Alors quiconque s'approche de lui, il l'observe pour voir si lui aussi écoute l'Éternel. Deuxième côté. Hey, mon frère, ma soeur, ma biolo, que je te pose cette question. Si c'était toi qui étais à la place de ces deux hommes-là,
et que tu es parti sur cette terre. Et tu es parti voir Rahab. Tu ne la connaissais pas avant. Mais tu as vu que c'est une prostituée. Est-ce que tu vas la respecter? Quoi, quel respect? Qui est-ce qui respecte une prostituée? Vois-tu que les grandes personnalités vont chez les prostituées? Les grandes personnalités vont chez les prostituées. Ce n'est pas pour l'honorer, non. Seulement pour faire ce qu'ils veulent faire et la payer, c'est fini. C'est ça. Frères et sœurs, alors, qu'est-ce que la prostituée a à dire aux envoyés de Dieu? Tu peux un peu sourire, oui. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie. Viens voir. Rahab. Rahab. Si vous le dites, à les descendants. De sa fenêtre, elle leur a dit, écoutez-moi bien ce que je suis en train de vous dire. Ils étaient que trois là-bas. Ils étaient trois. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Après que je vous aurai descendu, allez sur les montagnes. Est caché dans la brousse là-bas. Ceux qui vous cherchent, ils vont vraiment vous chercher. Cachez-vous dans les forêts et sur les montagnes. Ils ne vous trouveront jamais là-bas. Demeurez là-bas 3 jours. 3 jours quoi? Ça, ce n'est pas encore trop. Frères et sœurs, écoute bien, tu vas comprendre quelque chose. Écoute bien. 24 novembre 2019. 24 novembre 2019. November, blame von, Vakbova, we are checking. Le 24 novembre 2019. Car l'Éternel m'a donné cette parole. Ne m'appelez naoube. De te le dire. Devant qu'on a rébellé Bokatam. Que la peste vient dans le monde entier. Qui bantoima, rekame koto. La première fois dans le monde entier. Que ceci se produise dans le monde. Quand tu l'as entendu, tu l'as entendu seulement en l'air. La semaine qui l'a suivi, et Kenya, 1er décembre. 1er décembre. Oui. Est-ce que New York Glory? Est-ce que tout ce qu'on a dit, tu les as reçus? Non. Voilà les choses, frères et sœurs. Écoute bien. Je t'en prie, écoute bien. Que tout te soit clair. Rahab. Rahab. Le boblone a meyou que Yoshua dort. Est en train de dire à ceux que Jésus a envoyés. Ils sont ceux-là qui servent Dieu. Leur a dit, quand vous aurez quitté cet endroit, allez vous cacher sur les montagnes. Ne descendez jamais. Parce qu'on est en train de vous chercher. Frères et sœurs, depuis ce jour-là que cette parole est sortie, jusqu'à ce jour, Covid, la mojimto. Covid cherche vraiment les gens. Écoute bien.
cherche les gens pour les tuer, les détruire. Et changer na ba non homme en allant elle se meut à ton homme na do qui elle se meut non homme yo gaï qui change sa façon yo nya variant delta et variant delta yo nya non homme yo gaï variant delta oui au gars le dem de voilà l'aspect qu'elle a fait sortir encore et yo la molam kaba kaba et cela attrape vite vite les gens. Rahab a dit, cachez-vous sur les montagnes, cachez-vous dans les montagnes, ne sortez pas, ils sont en train de vous chercher, quand ils vous ont trouvé, ils vous tueront. Le virus va te tuer, va te tuer. Alors cache-toi. Porte ton masque et cache-toi derrière le masque. Va au grand marché, tu verras. Personne ne s'inquiète de ce qui se passe. Ils ne portent pas leur masque. Non. Parcours la route, tu vas voir. Les gens vont ainsi. Ils ne s'inquiètent pas de ce qui se passe. Tout ce qu'on dit là, laisse ces choses là. Covid même Covid n'existe pas. On est en train de tromper simplement les gens. Enfin, ma soeur. Rahab la prostituée. Il a dit ce jour-là. À ces deux jeunes hommes. Allez-y. Entrez dans les montagnes. Cachez-vous là-bas. Ne sortez pas. Trois jours. Topa. Pasteur Topa. Enyayo. Toutes ces paroles. Manyento bonyo chu. Cela ne vient pas de moi. Ocho jipoye. Ça vient du ciel. Oui. Oui. Il y a encore d'autres choses. Manyanyavio. C'est pas une petite chose. La vie. Frères et sœurs. Kama blibo katale toje. Le monde entier est dans le tumulte. Africa, ma ou le vemianglo. En Afrique, Dieu nous fait grâce. Ben moi, le Africa, ben aliaka ou le kamagodona. Que la chose n'est pas aussi difficile en Afrique comme dans le monde entier. Mais ça vient. Ça vient. Oula dokyo. Cache-toi. Tio masque. Porte le masque. Mascade. Le masque. Tué. Porte-le. Oui. Tu es avec. Porte-le ainsi. Vois-tu cela? Je l'ai fait pour que tu voies. Son masque. Porte le masque. Pour cela, il faut savoir que Rahab a dit aux gens, portez le masque. Oh, pasteur Topa, d'où est-ce que tu as pris cela? Rahab est en train de leur dire de porter le masque. Cachez-vous. Cachez-vous. Parce qu'on est en train de vous chercher. On envoie les gens. Ils sont de parcourir le pays. Mais je vous ai envoyé parmi les montagnes. C'est là où je vous ai dit de rester. Trois jours durant. Demeurez là-bas. Ne sortez pas. Si vous sortez, ils vous trouveront. Quand ils vous auront trouvé, ils vous tueront immédiatement. Pourquoi l'Éternel n'a pas dit? Laissez ça. Moi, l'Éternel, je suis avec vous. Je suis l'Éternel. Je vous secourir. Je suis l'Éternel. Mon nom c'est l'Éternel. Je suis l'Éternel, mon nom est l'Éternel. Écoutez mon frère, ma soeur. Que cela te soit clair. L'Éternel est en train de dire dans le ciel quel type de femme elle est celle-là. Oh.
Je n'ai jamais trouvé aucun de mes enfants ainsi. Je n'ai jamais trouvé mes enfants ainsi. Mes enfants. Et qui croient ma parole. Et pratiquer mes paroles ainsi. Oh mes enfants. Je n'ai jamais vu mes enfants ainsi. Jamais vu. J'ai jamais vu cela. Frères et sœurs, je t'en supplie. Répands-toi. Répands-toi. Ceci n'est pas une petite affaire. Cache-toi. Covid le tio. Covid te cherche. Il te cherche pour te tuer. Te détruire. Pour détruire ta vie. Cache-toi. Rahab a dit que de tombe. Entrez dans les montagnes. Cachez-vous là-bas. Ne bougez point. Comme tombe. Trois jours durant. Et Rahab. Rahab. Petit. À partir d'aujourd'hui. Ton masque est chiaï. Porte à chaque moment ton masque. Masque-le. Prends soin à ce que le masque soit toujours sur toi et que tu le portes. Laisse tomber des mauvaises paroles que disent les gens. Des mauvaises choses que disent les gens, laisse-la tomber. Voilà les choses insensées. Laisse-les. Depuis le 24 novembre. Est-ce que tu sais que ce se présentera ainsi dans le monde entier? Dieu t'aime. Et comme Dieu a aimé Josué, et il a aimé aussi ces deux jeunes hommes, Rahab leur a parlé. Dieu t'aime. C'est pour cela qu'il t'envoie cette parole. En allant au marché, porte ton masque. Même quand tu vas au marché, porte le masque. Et là, oui. Ne dis pas qu'il faut que les hommes de sécurité viennent ordonner d'abord. Non. Il n'y a pas besoin que les soldats viennent chez vous d'abord. Non. Sauvez-nous. Il faut te sauver toi-même. Cache-toi. Entrez dans la forêt. Entrez parmi les montagnes. Cachez-vous là-bas. Trois jours. Ne sortez jamais. Si vous sortez, ils vous attraperont. Ils vous tueront. Toi aussi ainsi. Il faut le reconnaître que là tu sois. Cache-toi. Porte ton masque. Porte-le. Et prends soin de ta personne. Le dans ta maison, porte-le. Le à ton entreprise, porte-le. Le à ton marché, porte-le. Et celui-là, dans la rue, porte-le. Le partout où tu te trouves, porte-le. Que cela te soit clair. La COVID te cherche. Et te tuer. Détruire. Anéantir ta vie. Frères et sœurs, il est l'heure. On ne peut plus continuer. Nous allons prier. Si tu acceptes, mets cela en pratique. Si tu ne veux pas, rejette cela, dit et laissez le pasteur Topa. Il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Ça ne me regarde pas. Oh yes. Mais sache-le. Que cela vienne chez toi bientôt. Tu te caches. Comme ces deux jeunes hommes sont cachés, alors tu trouveras le salut de Dieu. Et sur la terre, mets-toi debout maintenant. Nous allons prier. Yo, Wanyo, Falala. La 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 la
Yeho, yeho, anyola, falala, lala, lida, aye, yeho, yeho, anyo, falala, alida, yeho, anyo, falala, alida, yeho, anyo, falala, alida, yeho, anyo, falala, alida, yeho, anyo, falala. Alida, aye, yeho, yeho, anyola, aye, falala, lala, alida, aye, yeho, yeho, anyo, falala, alida, yeho, anyo, falala, alida, yeho, anyo, falala, alida, yeho, anyo, falala, alida, yeho, anyo. Falala, alida, aho, yeho, yeho, anyo, eh, falala, lala, alida, eh, aye, yeho, yeho, anyo, falala, alida, aso topeda. Maintenant, prie. Prie à l'Éternel. Après ton message, j'ai écouté ta voix. Allez, comment tu l'as dit? Ce jour-là, l'Arabe a révélé le mystère. L'envoyé de Josué. On met en pratique effectivement la parole. Ils sont cachés. C'est ainsi que moi aussi je veux me cacher. Je porterai maintenant le masque. Il n'irait plus maintenant le visage du Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. La COVID me cherche. COVID veut me tuer. COVID veut m'anéantir. Aussi les envoyés de Josué. Voulez les anéantir. Voulez les tuer. C'est pour cela que je suis. Vous. Trois jours. Le Yassou Fankama. Dans le nom de Jésus. Tout petit là. Aujourd'hui. Les vont se cacher. Les vont se cacher. Le touchera. Le Yassou Christophe Fankama. Jésus-Christ. Faut nous te remercions. Invoquons en ce moment. Un jour est paru pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui. Les ténèbres sont devenues lumière. La puissance de l'Éternel est entrée dans la vie des enfants de Dieu. Cela agit dans la vie des enfants de Dieu. Chacun acquérera une nouvelle force. Il changera de plumage de couleur. Rendre nous appartient. C'est pour l'Éternel. Satan qui a planifier quelque chose. L'Éternel s'est levé. Les ennemis sont dispersés. Le Yassou Christ Jésus-Christ. Aujourd'hui, le dessein de Dieu est accompli. La puissance de Dieu a agi. Seigneur, merci à toi, Père. C'est accompli. Yassou Christ le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi. Jésus, merci à toi. Yo anyo falala alida yo anyo falala alida yo anyo falala alida au yeho yo anyo falala lala alida au yeho yo anyo falala alida. Et la protection de Dieu soit avec toi. Il sera avec toi. Il te gardera. Il te conduira. Il t'aidera. Il fera de sorte que. Comme le dessein de l'Éternel s'est manifesté pour les enfants de Dieu. Nous Rahab. Ce que Rahab a révélé ce jour-là, aujourd'hui,
Ça devient une prophétie pour toi. Aujourd'hui, ça devient une prophétie dans ta vie. Toi aussi, va et cache-toi. Cache-toi vite fait. Porte le masque. Porte le masque sur ton visage. Dans le nom de Jésus-Christ. Covid te cherche. Il veut te tuer. Il veut anéantir ta vie. À partir d'aujourd'hui. Il est sorti d'entre ses mains. Allez-y. Et comme les envoyés de Jésus sont partis se cacher, ainsi que toi si tu te caches, t'accomplis pour toi. Le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le dessein de l'Éternel, sa puissance et ses œuvres s'accompliront dans ta vie. Le nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Alléluia. J'entends ce cantique. Et nous allons dire au revoir. Porte-toi bien. La banane au cul. Sainte ta personne. Oula do kiosia. Lâche-toi. Oula do kiolo. Lâche-toi. Le Yesu Pankam. Dans le nom de Jésus. Bye bye. Au revoir. Amen. Mi cara un tirana con mi caio.